Alors, on est parti et on va enchaîner avec un peu de ramassage de déchets puisque ça va être nécessaire pour faire la suite. Ah, il y aura après des poutres en métal à livrer. Ok. Donc, 3 déchets qui sont ramassés à plusieurs endroits de la deuxième carte. Voilà, les voilà. Donc, on va les chercher tous en même temps, je pense, pour les ramener en plus après ici. Faire un joli convoi. La zone est encore jonchée de détritus que les ouvriers du chantier ont laissé derrière eux. Ramasser ces déchets et livrer-les à la station de recyclage. Nous vous rémunérons pour ce travail. Eh ben, parfait. Et après, accès à l'entrepôt. Alors, je sais pas si c'est cet entrepôt-là, qu'est-ce qu'il va me donner. Mais on est parti. On va partir avec un petit white. C'est ce qu'on m'a demandé. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a en peinture? Ah, on avait une peinture DLC. Ouais. Why not? Why not? Pare-choc avant, hein, quelque chose de sympa. Non, il me semble que lui, il a vraiment beaucoup de choses dégueulasses. Ah, et putain, c'est dégueulasse. C'est pas dingue. Hein. Peut-être pourquoi pas ça. Lui donner un... De toute façon, on va faire quasiment que de la route, je crois. D'hiver. Ah, on peut lui mettre les cornes, bah oui. Camion du jeu de base, oui. Alors, on va mettre les cornes. Hein. Pare-choc, c'est fait. Le toit. Le toit il est comme ça. Allez, en valide. Pare-soleil, ok. Aile d'usine, ok. Échappement. Ok. Ensuite, moteur. On n'a pas mis le meilleur. Oh, ça fera l'affaire pour ce qu'il y a à faire. Tout terrain, c'est pas nécessaire, mais c'est pas grave, on laisse. UOD2. C'est là que je pourrais presque mettre des pneus un peu plus route. Hein. Mais je sais plus si je vais pas aller un peu en off-road. Au pire, je peux lui mettre des pneus UOD 1 ou 2 ou 1 ou 3. Les deux sont les meilleurs pour aller dans la boue, tout ça, mais je sais même pas si je vais en faire beaucoup. Ouais, ça le rendrait presque un peu plus joli. Hein. On va lui mettre pour changer un peu, on va voir ce que ça donne. Roue de secours, non. Prise d'air. Je vais quasiment pas aller dans l'eau, allez hop, il sera un peu plus chouette comme ça. Activable module châssis. Alors, il a l'air de morfler dès qu'on a un truc. Hein. Grue colorable ou pas, de toute façon, c'est la même. C'est un peu dommage. Et la grue Atlas, elle se colore comment? Ouais, se colore pas du tout. Bon, on va lui mettre la grue. Allez, comme ça. Un plateau de place. Mince, qu'est-ce que j'avais dit que j'allais prendre? Je vais peut-être prendre la remorque rouge. Ouais, ça va pas être terrible. Hein. Je pense qu'il faut un plateau. De toute façon, on va pas mettre ça. Ouais, ça va pas être terrible. On va plutôt lui mettre du plateau. Je crois pas que j'ai de remorque 6 places en stock. De toute façon, ça va être chiant à manœuvrer. Ouais, pourquoi pas. Allez hop. Du pogrim et du pogrim. Et les roues. Qu'est-ce qu'on a avant qu'on ait bientôt le DLC? Ah, oui, carrément. Pas trop mal, mais bon, spécial. Bon, allez. Allez, c'est parti. 2 jours, s'il vous plaît. Merci. C'était une petite blague. Déjà 4 millions pour les atteindre. Faut quand même passer beaucoup de temps. Ah, oui, il y a du temps de jeu. T'inquiète, j'avais compris. J'ai que 490 000. Deux paires de sauvegardes. Ouais, bah. Après, je vous ai déjà montré. Il y a des astuces pour gagner du pognon. Moi, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait du tout. J'ai gagné mon pognon de manière legit. Ah merde, c'est vrai qu'il prend pas. Ah merde. Ah c'est vrai qu'il prend pas lui avec une grue la remorque après. Merde de merde. Puis alors prendre une 6 places comme ça pour mettre des containers dedans, c'est pas dingue. Hein. Ah la chiotte. Qui m'a proposé ce camion à la con? Merde! Qu'est-ce que j'ai comme autre remorque éventuellement? De toute façon, je vais être obligé de lui mettre autre chose. Hein. Ah, chiotte!
Il prend pas de remorque, ce couillon. Pourtant, il pourrait, hein, on a déjà vu pire. On a déjà vu largement pire, ça passe easy là. Et évidemment, faut surtout pas. Putain, j'ai pas grand chose pour faire de la 6. Sinon, je vais faire de la 4. Genre un truc comme ça. Pour faire camion de chantier, je sais pas. Bon, de toute façon, je suis obligé de mettre l'attelage bas. Putain, c'est chiant. Ah, j'avais pas pensé qu'il pouvait pas. Alors, attelage bas. J'avais pas du tout pensé que ce couillon il pouvait rien prendre. Ça c'est une 3. Une 4, c'est pas hyper hyper propre, hein. Alors là, elle rentre même pas dedans. D'accord. Bon, bah, je crois qu'on va être obligé de prendre le plateau du jeu. Hein. On va prendre le plateau bleu du jeu dégueulasse, tant pis. On va pas y passer des plombs. Ouais, il est assez haut quand même, hein, l'attelage. Ok. Allez, on s'arrache. On va pas mettre 4 heures pour choisir un camion. Juste tester 8 et 10 places, une galère. Ouais, tu peux aller jusqu'à 11, je crois, sur un mode. Salut Marcellus Salas. Bienvenue à toi, merci pour ton follow. C'est moi, Tolin, c'est dit pour le white. Non, mais t'inquiète, je savais. Hein. Je savais que c'était une idée de merde et. Ça vient de toi, je savais. Bon, bah tant pis, faudra que je fasse deux allers-retours avec tes conneries. On va réfléchir lesquels on prend pour éviter de faire trop de chemin après. Le nom de carte quand même, ils sont pas fait chier. Hein. Près du lac. Où on va? Je sais pas, près du lac. Ok, c'est bon, on a le nom de la carte. Pardon? Deux dans le moteur alors que j'ai à peine frôlé une balustrade avec mon pneu? Sans déconner, arrêtez vos conneries aussi ça. Hein. Ils sont chouettes les pneus, hein. Ils sont bien épais. Ils ont plus de gueule que les UOD2, hein, mais bon, ils sont un peu moins bons dans la boue, donc on verra. Je savais que c'était moi car c'est une idée de merde ou. Ouais, les deux. Je savais que c'était toi, je me rappelais, je savais que c'était une idée de merde, donc. C'était difficilement réalisable que ce soit quelqu'un d'autre, mais. Ah, fait chier! Il devrait pouvoir prendre une remorque, c'est abusé. Il y a des camions qui sont bien plus courts que ça et qui peuvent. Alors, où est-ce qu'on va aller chercher les trucs? On va peut-être aller chercher celui qui est là-bas et celui qui est là, c'est un truc vite fait. Là, ça fait chier quand même. Ça m'emmerde vraiment à mort. Il faudra que j'aille chercher deux poutres en métal après. Je sais pas où, on verra bien. Ouais, ça m'emmerde à mort. Bon, bah, on va aller chercher celui qui est peut-être tout au bout de la rue. Allez, merci. Mais quoi? Putain, mais. Puis le deuxième, on va peut-être prendre celui-là. Hein. Et puis après, il n'y a même pas besoin de mettre 2 points. Hein. On le met quand même histoire de voir la distance, mais. Hop. Alors attendez. Bougez pas, un petit truc à faire vite fait.
Allez, c'est parti. Attends, mais arrête de rouler pas droit. J'ai cru voir que mes pneus, non, j'ai cru qu'ils étaient déjà abîmés. Au bout de 300 mètres, ça serait con. Salut Philou. J'espère au moins me reconnaît facilement. Ah bah oui, non mais. J'ai vu ton Palfinger et les remorques que j'ai vu tout à l'heure. Ouais, bah alors là, je peux pas te dire, c'est des mods. Les remorques, j'en ai 4 packs, donc je peux pas te dire. La grue Palfinger, la Ettinger, c'est Pogrim en mode. T'as une version colorable, une version non colorable. Alors pour les remorques, j'ai du pack trailer, du Pogrim trailer, du logging truck R trailer RSK. J'en ai plein donc. Je peux pas te dire laquelle était laquelle. Ok, ce sont des mods. Ouais. Malheureusement, on est obligé de passer par les mods pour pouvoir s'amuser un petit peu plus et avoir quelque chose qui a de la gueule. Je me suis longtemps passé des mods, mais. Le problème, c'est que tu peux pas faire sans parce que les développeurs ne veulent rien foutre, quoi. Au début, c'était sympa, les 4 premières phases, tu te dis, bon, ok, ils veulent pas faire de mods, d'accord. Enfin, ils veulent pas faire de nouvelles remorques, de trucs, bon. Allez, ok, bon. 2 ans et demi après, voire 3 ans et demi après, même, je me suis trompé, parce qu'il est sorti en 2020. Il est sorti en avril 2020, si je me trompe pas, et on est en déce... on n'est pas en décembre encore. On est octobre-novembre 2023, donc ça fait 3 ans et demi, je crois, qu'il est sorti. Trois ans et demi et pas une remorque d'ajouter, je suis de la merde. Une 8 places, 2 remorques scout, une remorque radar de scout encore. Trop grosse, trop lourde pour les scouts. Tout comme toutes les autres remorques. Les remorques off-road scout, trop grandes. Heureusement, c'est sympa, ils nous ont ajouté le burlac. Là, les remorques, elles correspondent plutôt pas mal. Mais dehors de ça, ils nous ont jamais rien ajouté quasiment. Qui soit intéressant, bon, une remorque de flotte. C'est. Dommage qu'ils aient pas ajouté un peu plus. Même un pack DLC, ils auraient pu le faire. Même un pack DLC, franchement. Ça le faisait, hein. Bon. On va le tenter. Ah, quand t'as un bon camion et une bonne remorque comme ça passe, hein. Ah, je pouvais venir par là dans le bon sens. Ouais, mais j'aime pas la simplicité, vous le savez, hein. Bon, en même temps, j'ai fait un joli truc, c'était roleplay. Il n'y a pas de. J'ai pas coupé, j'ai même pas roulé sur l'herbe, rien. Donc, hein, merde. Je ne mets plus de nouveaux mods, ça met tellement de temps à s'installer. Ah, bah, pourtant, normalement, c'est assez rapide, mais. D'accord avec toi pour les remorques. Je pense qu'ils auraient pu nous faire un pack de remorques, même payant 4-5 balles, franchement. Bon, des jantes, là, c'est autre chose. Des jantes payantes, là, ça fait un peu chier. Des remorques. Farming Simulator l'a fait, je crois. Ils arrêtent pas de t'ajouter des DLC de tout et n'importe quoi. Ça aurait pu le faire. T'es pas obligé de les prendre. Ça aurait largement pu se faire. Bon, après, si c'est pour nous vendre de la merde, faut voir. En ce moment, de toute façon, ils sont en train de tout sous-traiter, donc. La remorque scout tout terrain m'emmerde à chaque fois avec ses béquilles quand j'utilise. Ah mais c'est parce qu'il faut l'atteler, il faut pas juste la tracter qu'un treuil. C'est peut-être pour ça. Tu veux des fois à farming? Non, 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 je l'ai essayé vite fait et j'ai été perdu, j'ai tout de suite abandonné. Je suis pas très ferme, tu vois. C'est peut-être un peu trop simulation, si on peut dire, au niveau de. De la gestion de tout ça, voilà. Dans SnowRunner, ça me va très bien. T'as un petit peu de champ, vite fait. Voilà, ça me suffit. C'est largement suffisant pour moi. J'avais essayé un farming et je trouvais pas comment faire les trucs. Il t'expliquait pas.
J'ai essayé, je crois, le dernier qui était en essai. C'est pareil, j'y comprenais que dalle. J'y allais, je trouvais pas quel outil fallait, il me précisait pas, et du coup, bah, j'ai abandonné, quoi. Sinon, je peux peut-être aller chercher celui qui est là, hein. Ça sera fait, hein. Allez, hop. Mon camion, c'est le White Western Star qui est dans le jeu de base. Avec un skin qui est dans le Year Pass 1. Et ça commence à remonter, hein. Bordel. Je crois qu'on a ce skin depuis la sortie du jeu. Je sais plus. D'ailleurs, ils ont abandonné les skins dans le jeu. Avant, ils t'en faisaient un ou deux, voire trois, je crois, des fois par phase. Il y en a plein qui en ont eu, mais après, ils y ont foutu payant. Hein. Un pack dans les Year Pass, là. Puis c'est tout, il me semble. Hein. Ils en ont pas rajouté. Ils ont arrêté, ils ont même retiré. Ils t'ont vendu un Wolf Pack. Oui, il y a ce skin qui est valable pour tous les Western Stars. Ah bah non, finalement, il y est pas. Salut Jexo Zago. Aura-t-on le plaisir de te revoir? Eh merde, va te faire f... Avec ton pote Goku, l'audio Tolinx Goku, t'es super. Bah malheureusement non, je l'ai déjà dit, Goku a quitté la commu. Alors ça fait bien longtemps qu'il a quitté la commu. Bon, je vais pas revenir ou expliquer pourquoi, c'est pas... Ça sert à rien. Mais non. Peut-être que du coup reviendra un jour, mais bon, je sais pas, comme je sais pas encore ce que je vais faire de la chaîne. Ni de SnowRunner au bout d'un moment, je sais pas. Ça va peut-être vraiment me saouler. Le deuxième est là. Hop hop hop, tu me retires tout de suite ça, merci. Alors je sais pas si je vais pouvoir le charger. J'ai pas fait gaffe la grue si elle était vraiment longue ou pas. Peut-être casser quand même un peu. Ah, d'accord. Peut-être que là ça peut passer. Oh, elles sont larges les angles, j'avais pas vu, la vache! C'est un cap, c'est une péninsule. De rien, Jake. Tu vas arrêter SnowRunner. Si j'arrête SnowRunner, j'arrête la chaîne. Hein. En gros. Ou alors, ça sera qu'il y aura plein d'autres jeux. Ça sera dans un an, en gros, si je fais pas ça. Il y aura Alaskan Truck, il y aura Expédition. Voilà, mais. Ça dépend si j'arrête la chaîne ou pas aussi. Ah, saloperie. Pour l'instant, je prends pas de décision immédiate. Y a pas mal de choses qui bougent sans arrêt. Voilà, ça passe. Et c'est pas un sanglier en croix là. Pour une fois que je trouve. Quelqu'un qui joue à SnowRunner, ça fait plaisir, merde, ça serait con que tu partes. Bah écoute. Pourtant, ça fait un moment que je suis là, hein. Ça fait depuis 2020 que je suis là. Hein. Un petit peu avant la sortie du jeu, j'ai commencé la chaîne et. J'ai entamé le jeu et j'étais à fond dedans. Ah, il y a des arbres partout. Ah, ça peut le faire ou pas? Ouais, ça peut peut-être le faire. Oh, c'est pas mal. Pas mal avec les maisons rouges derrière. Bon, les remorques qui sautent un peu là-bas, mais bon. On va dire que ça le fait. La remorque, elle touche même plus le sol, si. Tout juste, hein. Tout juste, tout juste. Ah,
C'est pas très joli, mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Ça va, les pneus ont l'air de faire le taf. Bon, en même temps, c'est pas très compliqué. C'est pas une route folle. Ouah, la roue, comment elle a tordu! Ouah, alors là, faudrait le replay, mettre pause. Ouh là là. Faudra que j'essaie d'aller choper la capture d'écran. Ouais, elle était à 90 degrés. Elles ont vraiment un problème, les roues. Il y a une sensibilité des fois, à des moments, c'est... Vraiment les photos, je sais pas quoi mettre en termes de d'éclairage de période de la journée. Allez, ça fera l'affaire pour les photos de cette vidéo-là. Allez, en avant. Il ne restera plus qu'un à venir chercher, qui est facile. Alors je pense que normalement ce soir je vais vraiment liver, faut que je teste eSport WRC. Il y a une période d'essai de 5 heures avec l'EA Play, donc si vous avez le Game Pass Ultimate, vous pouvez l'essayer 5 heures. Donc ce soir vers minuit et demi, je me fais une petite course de WRC Génération et après on va tester au volant eSport WRC. S'il y en a qui sont intéressés, ça sera pas en redit sur YouTube vu que ça n'intéresse personne. Pour ainsi dire, ça sera en rediff sur Twitch. Nous y voilà. Bon alors faut rentrer par la deuxième porte ou ressortir. Ouais. On va essayer comme ça. Elle est chouette l'usine, hein. J'aime bien, c'est rangé. Elle est verte, ça change un peu de couleur, ça fait un peu usine de recyclage et tout. Ah vraiment elle est chouette, hein. Elle est bien organisée cette fois. T'as l'impression d'aller à la déchetterie, c'est très bien fait, hein. Très très bien fait, viens voir la gueule que ça peut avoir.
Ouais, c'est pas dégueu. Hein. C'est pas dégueu du tout. Hein. Bon, si je fais ça, ça ressemble à rien. Ouais, c'est pas grave, on la prend, on est dessus. Hop, merci, au revoir. Alors, 1, 2, hop, on va chercher le troisième. Allez, go! Juste un peu de route à faire. Ça va aller tout seul. Après, je vais avoir les deux poutres en métal, c'est vrai, à ramener. Ouais, ça va me refaire faire toute la route, je crois, parce qu'elles seront sur l'autre carte. À moins que je sorte un autre camion, que je les ramène de la première carte. Je suis même pas sûr. Je sais pas où elles sont, les poutres. Je crois qu'il n'y en a pas ici. Salut Mathis, bienvenue à toi. Aïe, mais non, mais chaise. Sans déconner. Et ouais, assez hâte de voir un peu plus Alaskan Truck. Là, j'en ai un petit bout, mais j'ai pas trop envie de me spoil. J'ai vraiment envie de le découvrir parce que c'est vraiment une aventure, entre guillemets. Mais ça donne très envie. J'espère qu'ils vont vite le sortir sur console. Bon, je pense que pour cette fin d'année, c'est foutu. Il l'aura déjà annoncé. Ouah, mais encore, mais sérieux. Autant quand je tombe dans la flotte, éventuellement je veux bien un dégât, mais là c'était avant quoi. Alors. Faudra peut-être que je rentre par la deuxième truc, si je vais éviter de manœuvre pour rien. Ouf. On peut faire une petite manœuvre, hein. Pas cher. J'aurais une 6 places, ouais, j'aurais fait les 3 déchets d'un coup, j'aurais. Je me disais, j'aurais pu aller chercher les poutres en métal en même temps, mais non, ça change rien. J'aurais déjà fait les déchets en une fois. Ça aurait été pareil. Allez hop, le dernier. Ah, viens voir, elles sont où les trucs, il me le dit ou pas? Ah, c'est grisé. Je pense qu'il n'y en a pas. Ah, à moins que ça me donne des poutres en métal, justement, ici. Accès à entrepôt et après livrer à la gare. Ah, oh, j'aurais pu faire ça en un aller-retour si j'avais une 6 places. J'aurais livré là-bas, il m'aurait donné les poutres, je ramenais ça ici. Oh, je suis vert. Je suis vraiment vert. À mon avis, il va me donner des poutres en métal. Il va transformer les déchets en poutres en métal, ça se trouve. Pas forcément hyper... cohérent, mais à mon avis ça va être ça. Quasi sûr que ça va être ça. Bon, on va se retaper un tour gratuit, c'est pas grave. Bonne soirée marraine, merci d'être passé. Bonne soirée à toi, à la prochaine. Peut-être demain. Alors demain, je sais pas, c'est férié, je sais pas trop si je vais live.
Je sais pas encore. Peut-être qu'il y aura moins de gens, peut-être qu'il y en aura plus, je sais pas. Puis moi, je sais pas si je live tout court, de toute façon. What? J'ai même pas touché, je crois, le caillou en plus. Mais non, mais faut arrêter. Allez crever. Sans déconner, y a rien sur votre route. Tellement n'importe quoi. J'ai pas ramené toutes les remorques aussi pour me faire du pognon. J'en ai un paquet à ramener si je veux me faire du pognon en plus. Dans toutes les phases, même les cartes de base, je crois que je l'ai pas fait. Alors, j'avais déjà lu l'explication. Ah bah oui, étape terminée. Ah! Ah, l'entrepôt est... Ah, bah il y a la grue. Bah, heureusement que j'ai une grue, hein. Ça tombe bien. Bon, c'est pas moi qui ai pensé, elle était obligatoire. Ça, c'est ce que je voulais éviter. C'est que ça tape dedans. Pas terrible. Ça devrait tenir. Non, ça va pas tenir. Faudra que je la pousse un peu plus. Alors par contre, là, j'ai plus le droit de réduire la longueur de mon truc. Si, ça y est. Wow, qu'est-ce qu'elle fait? T'es en train de ferrer le poisson là ou quoi? Oula, waouh! Ok. Je m'attendais. Oh mais putain, mais. Elle les déplace, mais comme un fétu de paille, à des moments j'y vais tout doucement, mais. Wow. Ouais, d'accord. C'est pas encore ça, mais on va dire que c'est mieux. Allez hop, réinitialiser les grues, remplir les ressources, mettre la journée. Et donc c'est à livrer. À la gare, à l'arrière. Ok. Et bah c'est parti!
Marche arrière d'abord, sinon on passe pas. Ça rappelle les bons vieux convois de l'époque. Quand on faisait ce camion-là, ce skin-là, la remorque et de la poutre en métal, une des premières ressources du jeu. Oula, j'ai donné un petit coup de stick, il est parti. Ah oui, ok. Bon, avec une 6 plages, j'aurais peut-être un peu moins manœuvré, un peu moins facilement manœuvré, mais bon. Ça va les pneus, ils ont fait le taf. Bon, il n'y a pas une grande différence avec les UOD2. Hein, mais sur certaines cartes, ça peut quand même jouer. Là, ici, c'est quand même pas trop compliqué, donc ça va. Ah merde, je voulais l'éviter. Il n'y a pas grand monde qui parle aujourd'hui. Vous êtes tous fatigués? Salut Amstrad. Voilà, ça c'est fait. Alors, faut que je livre là-bas. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose? Il n'y aurait pas que quelque chose va se construire. Je t'écoute et je game en même temps. Je vais chercher les 4 téléphériques. Ah, c'est pour bientôt, moi aussi. Bon, et qu'est-ce qui se passe en faisant ça? Rien du tout. Ok. Super, veuillez accepter ce prêtement comme promis. Merci. Et la récompense, c'est l'entrepôt maintenant disponible. Et quel entrepôt, du coup? Zone de déchargement de la gare, c'est... Elle est où l'usine? Tiens, je la vois même plus l'usine. Elle est là. Bah, qu'est-ce que j'ai gagné comme entrepôt en fait? C'est une bonne question. Il n'y a même pas d'entrepôt. Zone de déchargement, non. La gare. Ah, la gare, je l'avais peut-être pas. Ça va peut-être filer les téléphériques, je sais plus. Je sais plus si la gare je l'avais, c'est peut-être ça. Alors, et qu'est-ce qu'on a débloqué avec ça? Vue aérienne. Ah bah voilà, les 4 téléphériques, donc ça doit être ça. Donc j'ai débloqué, ok. Les 4 téléphériques... station de ski construite. Ok. Ça m'emmerde peut-être un peu de faire la station de ski avec des ordures. J'avais pas un autre truc, renouveler le cycle. La route qui... ça c'est les 3 trucs. Renouveler le cycle. À l'usine de recyclage, et ben voilà, parfait. Tiens, 2 ciments là-haut et 2 pièces de rechange à droite.
Eh bah, bon, bah, ça va nous faire beaucoup d'aller-retour ici, mais on va partir là-dessus. Comme ça, on poursuit avec, avec les poubelles. C'est impec. Désolé, je suis en fin de retour après 4 jours à la finale du championnat de France de drift. Ah bon? Il y avait un championnat de France de drift? Bah écoute, de toute façon, c'est pas grave, t'as pas à t'excuser, hein, y a pas de souci. Le téléphone au volant, c'est pas conseillé. Ah, donc tu m'écoutes en étant au volant? Ouais, c'est sûr que non, c'est pas conseillé. Ça, c'est clair. On va peut-être aller chercher d'abord les ciments. Bon, bah, on va aller tout au bout. Et puis, on va revenir chercher les pièces de rechange et livrer. Il y a ce qu'il faut, hein, pièces de rechange. Oui. Bah, allez, c'est parti. Puisque c'est ce que vous voulez. Ah, bah, oui, je suis en plus, je suis juste à côté du ciment. Je suis quasiment à côté. Donc, vas-y, c'est parti. On enchaîne avec ça. Comme ça, on fait vraiment les poubelles. On fait l'usine de recyclage à fond. Voilà, c'est impec. Et on fera les cabines téléphériques avec un joli véhicule. Avec une jolie remorque si possible, on va voir ce qu'on peut faire. Tiens, on va réparer le camion, ça lui fera du bien. Et magie! On fasse sa classe, bordel! La cabine téléphérique et puis. Puis je sais pas quoi, je sais pas ce qu'on pourrait faire d'autre. La route va être assez longue quand même. On va prendre les cabines téléphériques ici et après les ramener au sommet. Il y en a 4. Ah, je vais pas faire ça en twin steer. Oh! Quoique. J'ai peut-être avoir besoin d'essence, moi. Ouais. On va ressortir par l'autre côté. Ouais, la marche arrière, je sais qu'elle va être un peu loupée. Oh, peut-être un twin steer pour monter jusqu'au col des stations de ski, ça peut être rigolo. À côté de Limoges, circuit Val-de-Vienne. D'accord, pour le drift. Ok. Ok, et c'était cool, ça t'a plu? Je suis pas forcément un grand fan de drift, encore que c'est quand même super impressionnant. Rien que ça, déjà, ça peut être intéressant de voir. Bon, c'est pas Jackie Tuning, les mecs, c'est quand même des gars compétents, j'espère. Alors, grand réservoir dans le white. Hop. Alors là, je vais peut-être la contourner, la flaque, hein. Bah, la flaque. C'est pas trop la flaque qui me gêne. C'est surtout le morceau de bitume défoncé là. Ça fera un peu plus roleplay que d'aller me farcir ça qu'on répare jamais. Super exposant et sponsor d'une 30 de 7 champs chevaux qui a fini deuxième. D'accord. Ouais. Ça peut être cool. Mais du coup, tu participais à quelque chose ou. Ou t'étais là en spectateur? 4 jours. T'es pas allé en spectateur 4 jours. T'étais participant d'une certaine manière. On va carrément charger la grue. Où j'ai pas une seconde.
foutre une qui coule. Ah, faut pas que je me mette dans la zone rouge et sinon c'est foutu. Je sais pas pourquoi la zone rouge ils l'ont fait aussi large. Hein. Surtout que c'est un coup parce que ça pop au milieu de la zone et du coup à moitié sur le côté. Oh, je suis déjà prêt. Hein. Voilà. Là, j'encombre la plateforme de chargement pour charger manuellement. Putain. Sérieux. Même une zone de chargement, ils arrivent à le foirer à la 11e phase. À la 11, 12, 13, 14, 14e région, ils arrivent à foirer ça, sérieux. Voilà, ça apparaît au bord. Bah, c'est plus pratique pour le fen d'une certaine manière, mais... Là, je vais mettre mes ancres, elles vont être dedans. La deuxième, je vais pas pouvoir la prendre. Tu peux être sûr. Être sûr que la deuxième il voudra pas, ou alors c'est limité à l'endroit où il y a la palette. Ah oui, c'est limité à l'endroit où il y a la palette parce que là je suis complètement dedans. Mon fils a créé sa marque de sac à dos pour les fans des sports automobiles. Ah, c'est cool. D'accord. Si tu veux faire de la pub. Hop. Hop. Allez, maintenant on va chercher les pièces de rechange. Bon, ça sera après le pont. Et puis on aura fait une vidéo, je pense, là. Ouais, on va être à 12h, donc ça veut dire que je suis depuis 3 quarts d'heure, 1 heure là-dessus. Ouais, c'est impec, on aura fait des... tout ce qu'il faut pour l'usine de recyclage. Renouveler le cycle, c'était nécessaire, je crois, pour faire la suite de la star de cinéma là. Donc on va peut-être être nickel pour la suite. Il faut que je finisse la station de ski. Il faut que je finisse la star de cinéma. Il y a 3 missions. La remorque et puis 2 missions. Salut Corgroz. Alors là, ce qui est chiant, c'est qu'il faut que je prenne pas trop court, mais pas trop large, parce qu'il y a le poteau. C'est vraiment merdique. Hein. Aïe. Ouais, ça va, elle est pas trop... Ouah, comment elle a sauté avec le caillou. Salut JP. Allez, c'est parti. Un petit peu de route, ça faisait longtemps. Ça va, j'ai un peu l'impression d'utiliser enfin la deuxième carte, un peu plus dans son entièreté. Bon, ce qui est bizarre, c'est qu'il reste 2 plateaux de cinéma et que j'ai l'impression que je vais en utiliser qu'un seul. Ça me dérange un petit peu. Déjà que les missions cinéma sont pas très logiques. Ah merde, j'ai entendu le frein à main.
J'ai voulu l'enlever et en fait je l'ai mis. Bon, c'est un peu encombrant les cornes. Hein. Il sponsorise un petit jeune qui commence, il a 19 ans du même village, il est invité pour le week-end en tant qu'amateur, a fini à la surprise de tout le monde. A perdu en finale contre le champion de France. Bah écoute, sacré. C'est très chouette ça. Belle aventure pour ces 4 jours là. Si tu veux donner la marque, des sacs, tout ça, hein, si tu veux donner un peu de. On peut faire un peu de pub. Hein. Faudra que je regarde s'il y a des vidéos sur YouTube. Oh, c'est peut-être encore un peu tôt, ça vient de se finir. Merde, c'est pas ça que je voulais. S'il y a des vidéos sur le week-end, voir un petit peu ce qui s'est passé. La marque, c'est raseb.fr. Ok. Que je regarde à quoi ça ressemble. Ouais, je sais pas si je vais y arriver avec mon. Oh, va pas taper la rambarde. Putain de. Putain de Twitch de merde! Pourquoi est-ce que tu mets des messages par-dessus des icônes là? Je peux même pas cliquer sur le lien sans déconner. Putain, c'est quoi ce délire là? Il met un truc pour épingler ou supprimer ou je sais pas quoi. Je peux même pas afficher le lien. 3 heures pour cliquer sur un lien, bordel. Merci Twitch. Du coup, j'ai explosé le camion. Putain. Fait chier. Hein. Sac à dos et harnais. Ah oui, ça fait harnais de course. Ça fait parachute aussi. Ah, c'est impressionnant les harnais. Ah, c'est chouette, c'est un chouette projet. Ouais, ça fait bien sac de motard, ouais, on voit sur la photo. Ça a l'air d'un sac solide. Ah oui, c'est un projet tout jeune. Décembre 2022, ça a à peine un an. Ouais, c'est cool déjà. C'est cool si vous êtes déjà partenaire de. Qu'est-ce que tu fais? Partenaire pour un concours de drift, tout ça, c'est sympa. Allez. Je sais que je t'ai abîmé le moteur, mais quand même. Ah, ça y est, il a trouvé son peps. Ah non, il l'a perdu. Allez! Mais bien sûr, t'as raison, le moteur en plus, bah voyons! Non, mais faut arrêter là, va falloir arrêter le jeu. Tout ce qui touche le camion, ça pète le moteur, non mais va falloir arrêter tout de suite. Hein. D'accord. Putain, ce moteur, mais c'est incroyable, il prend tout. Hein. Tout est de sa faute. Hein. Alors, il y a visiblement une zone de grue, donc je vais peut-être pouvoir charger à la main aussi. Par contre, il va peut-être falloir que je casse. Ouais, je suis même pas assez cassé, là, je pense. Alors, pièce de rechange, c'est pièce de rechange. Hop. La première, je vais pouvoir la mettre. La deuxième, ça va être compliqué, je pense. Alors, on va revenir sur le chat. Sur YouTube, il y a toute la vidéo. Ah ouais, du week-end? Ouais, pour la bécane, ça a l'air d'être bien sympa. Mais du coup, ça fait décaler par rapport au concours de drift. Bon, les bécanes peuvent drifter aussi, hein, mais. Ça doit être un peu plus compliqué. Je vais pouvoir la mettre ou pas? Ah non, ça va pas passer. Hein.
J'ai même pas sorti les ancres. Tellement stable, j'ai même pas sorti les ancres. Par contre, là, je vais avoir le toit qui va m'emmerder. Ah là là. Pas sûr que ça passe, on va essayer. L'originalité, c'est de pouvoir changer la couleur des sangles comme tu veux. Ouais, c'est ce que j'ai vu. S'il arrive à faire une OP sur la chaîne de Villebrequin, il est bien. Ah oui, après. Les OP, c'est, ça se fait pas aussi facile parce qu'ils payent, hein. Faudrait donner une grosse somme pour apparaître chez Villebrequin, à mon avis, parce que l'objectif de leurs OP, c'est de pouvoir financer leurs vidéos, donc ça serait peut-être compliqué à mettre en place ce genre de truc. Bon, bah voilà, on est pile en face pour repartir, et là, l'usine de déchets est pas très loin. Eh bah, let's go. Un joli petit chargement. Voilà, comme ça c'est mieux. Je vais lui donner un peu plus d'angle. Hop. Allez, c'est parti. C'est compliqué. Jusque-là, on a surtout vu NordVPN, une boîte à... qui a beaucoup de fric. Non, on en a vu plein d'autres. Non, non, on a vu plein d'autres. Carter Cash, VPN, Fruit, je sais pas quoi là. Mais si tu veux, c'est des OPSP, c'est des boîtes qui payent pour être vues. C'est pas l'inverse. C'est pas des boîtes, tu leur donnes ton nom et du coup, ils te font des vues pour que tu gagnes de l'argent en gros. Eux, ce qui les intéresse forcément, c'est de pouvoir financer les vidéos quoi. Donc forcément, ce qui les intéresse, c'est plutôt des boîtes qui vont leur apporter du pognon plutôt que ça. Hein. Ils l'ont fait, je sais plus, je crois ils l'ont fait Call of. Ils ont, je sais plus s'ils ont fait Call of ou un autre jeu. Je sais plus ce qu'ils avaient fait. Non, ils ont peut-être juste parlé de Call of. Mais ils ont fait quand même pas mal, hein. Des pièces aussi au Scarrow peut-être ou je sais plus quoi. Ils ont fait pas mal de trucs quand même. Hein. C'est loin d'être les seuls. Hein. Tu vois, j'ai regardé pas mal de vidéos d'Amixem. Toutes les vidéos. Tiens, vous prendrez bien une petite sponsor, machin. Waouh. Ah ouais, ça. Ça banque là. Hein. Très très cool de la part de me laisser le nom de sa marque. Bah écoute, de rien. J'en parlerai sur vite fait sur Discord. Il y a quelques motards, je crois. Ça peut intéresser. Donc rasb.fr, rasb, je sais pas comment ça se dit exactement. S'il y a des gens intéressés. Alors, deux ciments, je sais même pas si j'ai lu le truc. Je l'ai lu ou pas votre... Comme vous devez le savoir, nous sommes très impliqués dans le traitement des déchets et le recyclage. À propos de l'usine de recyclage, local a besoin de quelques améliorations. Fournissez-lui le matériel dont elle a besoin pour réduire la pollution. Ok. Je l'avais pas lu, je crois. 1, 2, 3. Aucune construction. L'usine est déjà ok. L'usine fonctionne à nouveau, le recyclage des déchets est en cours et nous protégeons l'environnement tout en générant l'énergie supplémentaire. Bravo, voici votre récompense. Ok. Ok. D'accord. C'est cool de faire un petit peu d'usine de déchets comme ça, j'aime bien. Donc ça, c'est les deux tours de guet. Et l'usine de recyclage. Encore deux déchets qui sont... Sur la première carte, ok. Chauffeur de star, ça c'est tout ce qui est cinéma. Recyclage de déchets, faut faire quoi? Ah, faut faire la touche finale. Donc faut que je finisse d'abord le cinéma, visiblement, pour ensuite continuer l'usine de déchets. C'est un peu con, c'est que j'ai vraiment l'impression, il faudrait que je regarde, j'ai l'impression que tu mélanges la station de ski
avec le cinéma, avec leur traitement des déchets, c'est pas, ils ont rien à voir entre eux. Autant tu fais un plateau de cinéma, tu récupères des déchets, tu les livres. Ok, ça pourrait avoir son importance de finir un plateau de cinéma de A à Z. Tu le construis, t'amènes la star, tu recycles les déchets. Ok, mais là, ça a l'air vraiment de pas être ça. Ça a l'air d'être un peu complètement débile. C'est pas foufou leur truc. C'est pas foufou. Donc si je fais chauffeur de star, décor sinistre, il manque chauffeur de star. Donc je peux construire le plateau de cinéma. Donc visiblement on n'ira pas à l'autre truc. La touche finale. Ah si, la touche finale, faut que j'emmène au bateau. D'accord. Donc on l'emmène quand même sur le dernier plateau de tournage qui est déjà construit. Ok. Donc on va vraiment faire. Ok, ça se trouve je peux finir tout le cinéma en une vidéo. Deux fois la caravane de tournage et une fois la construction du truc. Ok. Attention au glaçon. Ah si, il y a quand même une construction. Autant pour moi. J'ai rien dit. Bah il y a bien les quatre. Il y a les quatre plateaux de tournage. C'est très cool. Très très bien. Ça c'est bien fait. Tournage terminé. Ok, pièce de rechange de poutre en métal. Ok. Pas de soucis, ça marche. Donc, bah on va couper là-dessus. Enfin non, je vais peut-être ramener le camion d'abord. Faut que je ramène le camion et puis ensuite on coupe. Et on va partir sur une autre vidéo. Je sais pas si je fais le tournage, si je fais la station de ski. Il y a les cabines qui m'attendent. Alors les cabines, faut venir les chercher ici et les ramener sur la première carte. Je les ferai peut-être bien en twin, moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Quatre cabines. Un camion qui se retourne. Ça peut faire un défi sympathique. Un joli chargement. Ça peut être cool, moi j'aime bien l'idée. Encore plus cool. Ah écoute, pas de soucis, hein. Si on peut s'aider. Hein. Ouais, on va ramener ça. Est-ce que je fais un petit coup de twin steer? J'ai encore pas mal de temps pour faire des vidéos là. Je pourrais peut-être faire les cabines de trucs tout de suite avec un petit twin. Et derrière, faire le plateau de cinéma suivant. Je sais pas si une seule vidéo. Ouais, une seule vidéo, je pense que ça fera le plateau de tournage suivant. Il me restera un plateau de tournage, un peu de recyclage de déchets. Et puis je crois qu'on y sera, hein. On aura atteint la fin de cette phase. Ah bah non, il me reste les tours de guet et les chalets. Ah non, il me reste les tours de guet et les chalets aussi. Ah oui. Ah, il reste encore un petit peu de voyage, hein. Ah non, c'est cool, hein. Non, elle est cool cette phase, vraiment. Je l'apprécie de plus en plus. Vraiment, je vois un petit peu comment elle est construite. Elle a l'air d'être assez pas mal faite. Même si, bah, comme je disais, je trouve les plateaux de tournage, c'est quand même complètement con. D'amener la star avant de construire le plateau de tournage, ça n'a aucun sens. Et de devoir mélanger le recyclage des déchets avec les trucs alors que ça n'a visiblement rien à voir. Ça, c'est un peu dommage. On verra avec les explications, les textes. Mais j'ai pas l'impression que ce soit très logique. Je pense que là, on va se sortir un petit twin. Pour aller finir la station de ski, on va essayer de se trouver une grotte un petit peu casse-gueule quand même. Histoire de s'amuser. Quand même, pas que ce soit trop facile. Je sais pas si je passe côté gauche ou côté droit de la piste de ski. On va voir, je vais regarder. Je vais déjà ramener ça. Ouais, non, elle est quand même bien cette phase. Franchement, elle est un peu bizarre. Niveau de l'ambiance, de la construction, c'est un peu chelou. Tu sais pas si t'es à la neige avec la station de ski. Ou si t'es au plateau de tournage avec plutôt un temps un peu printemps ou je sais pas quoi. C'est un petit peu chelou. Le montage est un peu chelou, l'assemblage et tout, sachant que c'est deux thèmes qui peuvent être plutôt pas mal. Je pense qu'il y avait largement moyen en fait, c'est de faire deux phases complètes. De faire un vrai thème cinéma où tu construis vraiment les plateaux de cinéma entiers, que tu livres le bateau, que tu livres l'avion. Que tu livres, j'en sais rien, un truc
le globe, la planète Terre là de du Daily Planet de Superman là par exemple, j'en sais rien, faire un truc, un décor bien énervé, quelque chose de sympa, que tu livres des choses. Tu peux vraiment faire une phase quasiment entière, tu recycles après les déchets du tournage qui a été fait, etc. Pourquoi pas des carcasses de voitures, si t'as un plateau de cinéma et des voitures qui ont été détruites. Vraiment, et t'as plein de choses à faire avec un, finalement, quand tu réfléchis. Et tu pourrais carrément faire un truc entier avec le ski. Pourquoi pas reconstruire des restaurants, des boutiques, la remontée mécanique. J'en sais rien, est-ce qu'il y a d'autres trucs à faire? Des générateurs, des maisons, des chalets. Je pense qu'il y avait moyen d'en faire deux phases. C'est vraiment deux phases en une, mais du coup, t'as un petit sentiment de pas aller jusqu'au bout. C'est vrai, c'est presque dommage. Je vais me faire tes replays tranquillement demain. Ok, bah ça marche, et bien merci. Je trouve franchement qu'il y a une satisfaction et une déception en même temps de cette phase. Enfin, une déception, plutôt une frustration, si on peut dire. Parce que vraiment, en fait, le cinéma, il y avait un truc à faire quand tu réfléchis. Il y avait un gros truc à faire, sachant qu'on est là pour faire justement du camionnage et tout. On aurait, avec l'usine de recyclage, on aurait pu faire un sacré truc. Ah, c'est presque con, tu vois. Ah ouais, quand j'y réfléchis, il y a vraiment tellement un truc à faire. Le cinéma aurait pu avoir une place bien plus importante dans la phase. Et garder la station de ski pour te faire une vraie map de neige. Même si généralement tu répares la station de ski avant qu'il y ait la neige. Donc c'est pas incohérent à ce niveau-là. Mais je pense qu'il y avait quelque chose à faire, ouais. Bon, je ramène ça vite fait et puis on va partir en twin avec les cabines. Réparer le rail, c'était cool, mais pourquoi ça joue sur le plateau de cinéma comme ils nous ont dit? Bah, on sait pas. On sait pas plus que ça, à moins qu'ils le filment, mais ça avait pas l'air. Donc, hop! T'aurais pu faire une grande pente où t'as des voitures qu'on fait des tonneaux et tout ça, pour récupérer les voitures, les carcasses et les emmener à la déchetterie, à la casse. Je sais pas, je pense qu'il y avait mieux à faire avec le cinéma, même si c'est pas trop mal, je pense qu'il y avait encore mieux à faire. Allez, on coupe la vidéo là-dessus.